Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme je l'avais annoncé, je reçois donc Romain de la société Ducomat qui va expliquer ou plutôt qui va vous donner les armes pour estimer ou calculer votre aspiration en s'inspirant tout simplement de la mienne. Donc on va démarrer de la réflexion de base, c'est-à-dire l'installation des machines, etc. Et je vais lui poser les questions au fur et à mesure en fonction de mon installation. Et comme je le dis, évidemment, chaque installation est propre à sa situation. Et donc c'est difficile de vous dire ou de vous donner un calcul qui correspond à votre situation puisque ça va dépendre évidemment du diamètre de vos machines, du nombre de machines, du nombre d'utilisateurs qu'il va y avoir pour les machines, etc. Donc c'est vraiment faire les grandes lignes de l'aspiration ou de votre système d'aspiration. Allez, donc c'est parti. Donc première question que je vais te poser, c'est par où est-ce qu'on doit débuter finalement quand on fait notre installation? Donc c'est est-ce qu'on doit espérer, imaginer avoir un moteur d'aspiration, un système d'aspiration, ou est-ce qu'on doit d'abord acheter et évaluer notre besoin en disposant nos machines ou en installant nos machines? Le plus important, c'est de positionner la machine dans l'atelier. Et puis après, nous, on va en fait mesurer les bouches d'aspiration aux différentes machines. Et deuxième chose, c'est savoir combien de machines vont tourner en même temps dans l'atelier. Et ça, ça va nous donner un débit d'air en mètres cubes par heure. Et le mètre cube par heure, donc le débit d'air, va nous donner un système d'aspiration. Donc il faut travailler dans le sens inverse, généralement. Il ne faut pas acheter l'aspiration et puis voir si elle convient aux machines. Il faut vraiment voir le besoin qu'on a. Et puis après, alors, on achète le système. Donc en gros, on dessine quelque part notre atelier, donc rectangle, carré, en L ou autre. On dispose les machines à l'endroit où on veut les avoir. À partir de là, on estime ou on imagine où on peut mettre notre système d'aspiration. Voilà. Est-ce qu'il y a justement un endroit privilégié à installer les systèmes d'aspiration ou est-ce qu'on l'installe un petit peu où on veut? Alors le mieux, toujours, c'est le plus près des machines. Maintenant, c'est vrai que des fois, on n'a pas la place ou l'atelier. Non, on ne va pas mettre un système dans l'atelier parce que déjà, ça fait du bruit ou les nuisances, etc. Donc, on le met à l'extérieur, d'accord, ou on le met plus loin, on le met dans un compartiment. Donc voilà. Mais le plus important, c'est toujours au plus proche des machines. Proche des machines pour justement avoir une tuyauterie la plus courte possible et donc une paire de charges la plus basse possible et c'est donc ça. Un système qui doit moins être puissant. Une question qui avait été posée, c'est justement en mettant le système d'aspiration à l'extérieur, certaines personnes ont parlé de problèmes de dépression. Est-ce que ça met l'atelier en dépression? Ça, moi, par exemple, personnellement, je ne le comprends pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en exactement fait? Il faut imaginer que quand on met le système à l'extérieur et qu'on n'a pas de retour d'air propre vers le bâtiment, d'accord, on va aspirer tout l'air du bâtiment et l'air qui va être l'air sale, qui va être donc l'air des machines, hein, okay, qui est poussiéreux, qui est de plein de copeaux, lui il va être filtré par le système d'aspiration et puis l'air va être rejeté à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Donc si on n'a pas d'ouverture quelque part, on aspire tout l'air de l'intérieur de l'atelier. Et on met l'atelier en dépression. D'accord. Donc, et c'est quoi le problème en fait? C'est qu'on ne remet pas l'air dans l'atelier pour faire un circuit fermé. D'accord, ok. Donc en fait, on va, par exemple, en hiver, on chauffe, on aspire. On aspire l'air chaud. On aspire c'est l'air ça. Chaud qui lui va être à l'extérieur. Forcément. C'est ça, tout à fait. Et s'il n'y a pas de retour d'air sur certains systèmes d'aspiration, ben là on met l'atelier en dépression. D'accord. En été, c'est pas grave. Parce qu'on a généralement les portes ouvertes. Et puis on a de l'air frais qui rentre, etc. Et de se ressouffler de l'air chaud dans l'atelier et de l'avoir en plein. Ok, c'est 35, ça. Donc l'idéal, c'est de le mettre à l'extérieur, mais il faut qu'il y ait un système de renvoi d'air de l'aspiration vers l'intérieur de l'atelier. Clapet été-hiver. Été, on jette en été. Hiver, on jette à l'intérieur. Ok, ça va, parfait. Donc, on continue notre petite réflexion par rapport à l'installation. Donc, on a dessiné notre atelier, on a décidé d'installer nos machines, etc. À partir de là, d'où est-ce qu'on démarre? Bon, on fait une liste de la panneauteuse. Elle a un diamètre 80 au niveau du capot de la tête de la scie et un diamètre 120 en dessous. Donc voilà, donc diamètre 80, diamètre 120. On note ces deux diamètres-là. Pourquoi là, je vais t'interrompre souvent parce que je me pose aussi beaucoup de questions, évidemment. Pourquoi la panneauteuse? Et pourquoi pas, par exemple, la toupie? Ou pourquoi Parce qu'en fait, on va faire un listing de toutes les machines. D'accord. Ça, c'est la première chose à faire. Peu importe l'emplacement. Bon, listing de toutes les machines. Ok. Les diamètres. Et des diamètres. Ça, tu veux que je l'explique maintenant?
Non, mais on va l'expliquer après, mais disons qu'au départ, donc, on fait le listing de toutes les machines qui vont être aspirées avec l'aspirateur de copeaux. Ouais. Je rappelle quand même, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, il faut vraiment essayer de dissocier le système d'aspiration des machines stationnaires et des machines électroportatives. Alors, certaines personnes ont expliqué, et en effet, qu'il y a des possibilités de mettre des appareils qui permettent d'amener plus de puissance au niveau des machines électroportatives. Mais à notre niveau, et déjà même au mien, qui reste quand même un artisan professionnel avec, je suis quand même pas trop mal équipé, ils l'ont expliqué, c'est pas, en fait, ça coûte plus cher finalement que l'intérêt en rapport à acheter un aspirateur pour les machines électroportatives et les machines stationnaires. Donc, bien penser à ça. Donc, première chose, c'est déterminer et prendre tous les diamètres de toutes les machines stationnaires, puisque là, on va vraiment parler du système d'aspiration pour les machines stationnaires. Les machines électroportatives, on peut en parler, mais d'une manière... En fait, c'est complètement différent. Là, c'est des petits aspirateurs qui, généralement, ben, sont calculés suffisamment puissants en termes de débit pour les machines électroportatives. Donc, on va pas rentrer dans ce détail. Nous, on va rentrer plutôt dans tout ce qui est machines stationnaires. OK ? Donc, je te laisse continuer. Donc, on fait le listing. Voilà. Le listing. Les diamètres, un petit croquis de l'emplacement, comme on disait tout à l'heure, donc un petit plan par rapport aux machines et par rapport à où l'aspiration veut être. Et puis après, là, nous, on peut calculer, on va prendre en compte le nombre de machines qui fonctionnent en même temps. C'est ça. Donc si on a trois hommes dans l'atelier et il y a trois machines, ben, potentiellement, il y a trois machines qui vont fonctionner en même temps. C'est ça. Et de là, on va pouvoir déterminer un débit global du système que le système d'aspiration doit pouvoir, lui, générer. Il doit pouvoir avoir 10 000 ou 5 000 mètres cubes par... C'est ça. Donc là, dans ce cas-là, admettons, moi, je suis seul, je peux prendre en compte uniquement une seule machine. Et là, on va prendre le diamètre le plus important des machines à utiliser. Ouais. Mais si, par exemple, on est deux, bah, l'idéal, c'est de calculer au moins deux machines qui fonctionnent ensemble. Deux plus gros diamètres. C'est ça. Comme ça, on est certain de ne pas être, bloqué. Ouais. Et si on a trois, bon, je continue le cheminement de réflexion, hein, mais si on a trois personnes, bah, on prend, bah, par exemple, ici, la scie à format, la raboteuse et la toupie, comme si elle fonctionnait ensemble. Donc, ouais, il faut additionner les diamètres de sortie des trois machines. D'accord. Qui découle évidemment des diamètres. Donc, comme il expliquait, le calcul à faire, c'est le calcul des différents diamètres. Alors, ici, en l'occurrence, la scie à format, je vous montrerai en image, on a deux sorties. Donc, une sortie, je ne sais plus, je pense que c'est 80, et une sortie de 120. Et donc, on doit additionner les deux pour avoir le nombre de mètres cubes heure aspirés, c'est ça? Ok, et ça, c'est le débit. Ouais. Et puis après, donc, il y a la vitesse d'aspiration. Et il y avait encore un autre. C'est pour que moi, je comprenne. Hein. Ouais, en gros, ici, donc, comme tu disais, grand pied à coulisses. Et donc là, on va aller chercher le... Voilà, donc ça, j'ai le diamètre 80. Et puis, je vais mesurer en dessous. Et là, je vais flexible. Là, on est à... Voilà, 120. D'accord. Donc, diamètre 80, diamètre 120. En gros, ici, on a un diamètre 80 à 25 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse d'aspiration que nous, on détermine et que beaucoup de nos confrères font. C'est 25 mètres par seconde au niveau des bouches. C'est ça. Donc, un diamètre 80 à 25 mètres par seconde, on est à 452 mètres cubes heure. D'accord. Et donc ça, toi, tu as un tableur qui te permet de déterminer justement le débit nécessaire ou le débit réel aspiré par diamètre de la machine. À une vitesse donnée. C'est ça. Donc, 80, diamètre 80 à 25 mètres par seconde, 452 mètres cubes heure. Et en 120, on est à 1018. D'accord. Donc, grosso modo, 1550 mètres cubes heure. Ok. Et ça, on additionne les deux diamètres parce qu'on sait que la machine est aspirée en même temps sur les deux flexibles. Quand vous travaillez avec. Et ça nous donne un diamètre 150. D'accord. Donc, ici, le flexible arrive sur un 150, Y. C'est ça. Bon, en fait, c'est le même, quoi. C'est juste après le Y, donc qui reprend, en fait, le diamètre 80 et le diamètre 120. En sortie de ce fameux Y, on doit être en diamètre 150. C'est ça. Et le diamètre 150, il correspond donc aux 1500 mètres cubes.
heure. Ok, c'est ça. Et ça, c'était le fameux, on sait calculer ces mètres cubes heure avec le site internet que ton papa m'avait donné, c'est ça? Alors ça, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo qui vous permet justement d'avoir, je ne sais pas si c'est le même tableur ou pas. Sinon, je ferai une photo à la limite de son tableur. Et ça, pareil, comme les tableurs pour les lames de scie circulaires, etc., je mettrai dans la communauté. Comme ça, les gens pourront voir et comprendre avec un diamètre donné, avec 25 mètres par seconde, le nombre de mètres cubes aspirés est nécessaire alors pour l'aspiration. Voilà. Donc à partir de là... Donc là, on fait ça avec toutes les machines. On mesure, on détermine avec, par rapport à la vitesse, le diamètre à mètre cube A, donc le DI. C'est ça. Et puis on dit, ben voilà, il y a deux machines qui vont fonctionner en même temps. Ici, je pense que c'était la panoteuse et la dégauchisseuse. Ouais. Donc un diamètre 150 et un diamètre 150, je crois. 150 ou 120, oui. Enfin, on va vérifier après. Ça nous donne le total en débit. Mètre cube heure. Mètre cube heure. Et ça nous donne un système d'aspiration. C'est ça. Donc, à partir de ce débit mètre cube heure, vous savez dire, voilà, OK, tu as besoin d'un tel moteur qui permet d'aspirer autant. Mais à ça, vous devez aussi faire le calcul de perte de charge ou pas de tout. Alors, dans les petits ateliers, généralement, on n'a pas besoin parce que les moteurs d'aspiration, ils sont assez puissants. Et d'accord. Une dépression qui est suffisante pour vaincre la perte de charge. C'est ça. Donc c'est vraiment quand on. C'est vraiment quand on est dans l'industrie et quand il y a des machines qui sont à 20 à 30 mètres de l'aspiration, de l'emplacement de l'aspiration, que là on va vraiment calculer. Et pour être certain que la machine qui est la plus lointaine de l'aspiration et donc qui a un réseau de tuyauterie le plus long, l'aspiration puisse permettre d'aspirer les poussières à 30 mètres. C'est ça, exactement. De l'aspiration et à 25 mètres par seconde au niveau des bouches. Au niveau des bouches, c'est ça. C'est le plus important pour garantir un niveau d'aspiration. Et vous estimez justement la distance entre guillemets réglementaire. Donc moi j'imagine quelqu'un qui est dans un atelier avec un aspirateur à un sac, tu vois, aspirateur, un ensacheur avec une truc, combien de mètres entre guillemets de tuyauterie est raisonnable, on va dire. Il faut peut-être essayer d'être à 10 mètres. 10 mètres maximum, ouais. Donc la machine la plus lointaine devrait se situer à 10 mètres de l'aspiration. Ouais. Mais ça dépend. Oui, oui, du diamètre, du nombre de personnes, etc. Oui, mais disons. Non, ça dépend du système d'aspiration. Oui, oui, mais ce que je veux dire justement, imagine une personne qui a un aspirateur, un ensacheur, un sac. Mm-hmm. Je ne me rends pas compte des puissances, mais on va dire, c'est combien généralement 2 kilowatts, 3 kilowatts allez, on va dire 2 kilowatts. 2,2 kilowatts pour un petit aspirateur à copeaux. Ces personnes-là peuvent espérer, entre guillemets, aller jusqu'à 10 mètres de tuyauterie. Maximum. Voilà, maximum pour pouvoir avoir une aspiration correcte et se garantir donc 25 mètres secondes en sortie des bouches. Et le plus important, je le redis encore une fois, le moins possible de flexibilité. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, dans tous les cas, l'idée c'est. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une machine et on a l'ensacheur, un sac. Et puis, et il y a ils mettent un flexible. Ça, c'est le problème, ça. C'est que l'ensacheur, tu le mets à une machine parce que tu y travailles, et puis tu le mets à une autre machine parce que tu y travailles, et tu le mets à une autre machine. Donc forcément. Là, ça fonctionne. Mais non, forcément, tu as 5 mètres de flexible et tu as besoin de ces flexibles-là pour boucher l'aspiration. C'est ça. Donc, de toute façon, les flexibles, dans tous les cas, ça, on l'avait déjà dit la dernière fois, le moins possible en termes de dimension. Ouais. Apparemment, il existe, c'était Gilles qui avait fait la remarque, il existe aussi des flexibles lisses à l'intérieur. Ouais. Donc, ça, est-ce que ça réduit quand même un peu la perte mais... Alors, ils sont moins flexibles, je pense. D'accord, ils sont un peu plus rigides. Ils sont plus rigides, ils sont moins flexibles. Ça, ok. Donc ici, on vient de répertorier, comme vous l'avez vu avec son pied à coulisses, on a fait toutes les machines. Et à partir de là, donc, il a déterminé que j'avais un besoin de, je ne me souviens plus, 2600 mètres cubes heure pour fonctionner correctement si ma scie à format fonctionne et ma dégauchisseuse en même temps. On aurait même pu ajouter, si j'ai bien compris, avec mon système d'aspiration, la toupie, tous les trois en même temps, je suis large assez. Donc à partir de ces 2600 mètres cubes heure à aspirer, on va déterminer le système d'aspiration dont on a besoin. Et donc ça, ben, vous allez chez votre revendeur. Donc vous, si j'ai bien compris, vous vendez Schuko. Et moi, je me souviens bien, c'est un système métallique caréné avec des box qui remontent dessus, qui peuvent redescendre hermétiquement et partir. Je trouvais ça vraiment assez sympa. Vraiment, et je ne sais plus pourquoi je ne l'avais pas pris. Je crois que soit il était trop gros ou vous ne saviez pas avoir des 3 bacs. Je ne me souviens plus. Ou le 3 bac était beaucoup plus cher que le 2 bac. Ouais. Le 2 bac me correspondait, mais moi j'avais peur en termes de copeaux parce que je sortais
de mon atelier où j'avais un sac et j'en avais marre de les vider chaque fois que je passais. Et donc, il me fallait absolument trois sacs. Donc voilà, enfin, ça, c'était la petite parenthèse. Tout ça pour dire qu'à partir de là, vous devez déterminer votre système d'aspiration. Alors, il était en train de m'expliquer que moi, par exemple, mon système d'aspiration, la sortie, il est de diamètre 280. Et quand j'avais acheté les tuyaux, eux m'avaient conseillé de partir sur du 200 parce que c'est pas obligatoire, si je comprends bien, de respecter le diamètre de sortie tout le long puisque ça correspond finalement à ce fameux débit. Mmh. Donc ça, je vais te laisser expliquer, ouais. Tu auras plus facile que moi. Pourquoi est-ce que tu m'as poussé finalement à réduire ou pas et l'erreur que j'ai faite donc de ce système qui doit être à l'envers. Voilà. Donc, en gros, donc, comme tu l'as dit, il y a deux machines qui fonctionnent en même temps, un débit global de 2600 m³. 2600 m³, ça correspond à un diamètre 200 mm. C'est ça. Donc, on a parti du principe que ben, on va faire ta tuyauterie en 200 mm et on va réduire à l'entrée de l'aspiration. On va donc mettre un cône de réduction de 180 vers 200. Qui correspond finalement au mètre cubeur que les deux machines qui fonctionnent ensemble ont besoin. Donc, un diamètre 200 à 25 mètres par seconde, c'est 2827 mètres cubeurs. C'est ça. Toi, t'es à 2600, donc ça colle. Donc, on est bon, quoi. Si maintenant j'avais mis un diamètre 280, est-ce que ça aurait posé un problème ou pas? Non, tu aurais réduit la vitesse dans ta tuyauterie. Hein, donc, il faut imaginer que quand on va aspirer un diamètre 120 ou un diamètre 100 et qu'il n'y a que ça qui va être aspiré, quand l'air du tuyau en diamètre 120 va arriver dans le diamètre 280, ça va la vitesse va réduire parce que l'espace va être plus grand. C'est ça. Et là, le risque, c'est de déposer les copeaux dans les tuyaux. D'accord. Et quand on dépose les copeaux dans les tuyaux, ben, c'est quoi le risque? C'est déjà, il y a un problème de poids. Bon, on n'est pas non plus sur de la matière qui est lourde. Hein. Non, mais... Mais ça arrive dans mais disons que dans ça peut créer... Ça va déposer. Et en fait, le tuyau, il va se remplir jusqu'à arriver à une vitesse de transport de 20 à 25 mètres par seconde. C'est ça. Ça, c'est à la vitesse à laquelle nous, on travaille pour faire bouger la matière. Et quand le risque, évidemment, c'est d'aspirer une particule chaude ou une vis ou quelque chose dans la machine qui va se détacher ou que sais-je, okay. Et là, ben, ça peut créer un incendie dans D'accord. La tuyauterie. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'avoir le diamètre le plus adapté. Voilà, il faut respecter le diamètre par rapport aux machines et par rapport aux besoins. Il ne faut pas mettre trop petit, c'est trop ça. Grand. Il faut vraiment être sur... Mais c'est important ce que tu dis. Donc, si je comprends bien... Il faut éviter de déposer dans la tuyauterie, c'est le plus important. Voilà, donc, si je comprends bien, il faut déterminer... C'est important, en fait, finalement, de déterminer les machines qui vont fonctionner ensemble pour savoir le mètre cubeur dont on a besoin à aspirer pour adapter, justement, ce fameux tuyau... Ouais. En sortie de machine, et donc ça ne sert à rien finalement de surdimensionner la taille du tuyau puisque ça risque de créer le problème dont il vient de parler. Donc première chose à faire, je résume en tout cas ce que j'ai compris, première chose à faire, déterminer l'endroit des machines, ensuite déterminer le diamètre le plus important de la machine que vous allez utiliser si vous êtes seul ou des deux machines que vous allez utiliser simultanément si vous avez un ouvrier. À partir de là, vous avez un mètre cube heure qui est déterminé et qui va vous donner un diamètre. C'est ça. Et de là, vous devez partir sur la ligne principale dès la sortie de vos jonctions de machines. Donc, si vous avez un Y pour la scie à format, c'est-à-dire diamètre 80 à 120 en sortie du Y, repartir sur le diamètre 150 qui correspond au 200, mais la ligne principale doit être adapté justement en fonction de ce fameux mètre cube heure à aspirer en fonction de la plus grosse machine ou des deux machines qui fonctionneront simultanément. Donc voilà, moi ça me paraît assez clair. Il y a juste cette histoire de savoir le nombre de mètres cubes heure, etc. Mais comme je le dis, je partagerai ce petit fichier sur la communauté. Comme ça, les gens qui veulent le voir pourront peut-être déterminer leurs besoins en fonction de leur situation propre. Alors, moi, j'avais aussi une question concernant les filtres, parce qu'on en a parlé. Donc, il y a les fameux filtres à chaussettes. Hein, donc, ceux qui connaissent un petit peu. Donc, vous avez un ensacheur en partie basse. Et puis, au-dessus, c'est une chaussette que vous devez secouer. On le répète quasiment après chaque utilisation. Et puis, il existe des filtres comme ceci. C'est un filtre avec des lamelles qui forment des zigzags, on va dire ainsi. Hein, et donc, qui sont pliées les unes aux autres. Et tu me parlais de surface de charge, c'est ouais, ça la surface en mètres carrés. Donc, si on prend ici, par exemple, toi, ton filtre ici, il a 30 mètres carrés de surface filtrante. D'accord. On met ça par rapport au débit oui. d'air que l'aspiration peut prendre. Et en fait, on va diviser le débit de l'air par la surface filtrante. Et ça va, okay. ça va nous donner un mètre cube
par heure, par mètre carré. Qui sera filtré. Voilà. Donc en gros, ici, mais quand tu dis les mètres cubes, c'est les mètres cubes, les 2618. Ben, voilà, alors regarde, ça c'est un exemple assez concret. C'est que avec les 5500 mètres cubes de l'aspiration à 30 mètres carrés. Ouais. Donc 5500 par 30, on est à 183 mètres cubes heure par mètre carré. Ok. D'accord. Nous, on dit, maintenant, il y a deux mesures. Dans les petites aspirations comme ça, le taux de charge est souvent beaucoup plus élevé. Parce qu'on travaille sur des dépoussiéreurs. Donc ça, nous, on appelle ça un dépoussiéreur. Ok. Dans l'industrie, donc quand on met un filtre à l'extérieur, la norme, normalement, on essaie vraiment de rester entre 100 mètres cubes heure par mètre carré à 120, 125 mètres cubes heure par mètre carré. Ok. D'accord. Filtré, ça. Filtré. Hein. Ici, on est à 183. Ok. Donc le filtre, il est beaucoup plus mis sous... Il est soumis à beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de poussière. Donc le risque, c'est quoi? C'est qu'il soit colmaté beaucoup plus vite. C'est ça. Donc d'où l'intérêt, comme on disait l'autre fois, de chaque fois qu'on a fini avec une machine, bien, c'est le auto-nettoyant, voilà, mais l'idée c'est de chaque fois bien le secouer. Ouais. Ok. Alors si on prend, on va encore un peu plus loin, donc 30 mètres carrés, toi tu as 2600 mètres cubes heure d'aspiration, donc 2600 par 30, 86 mètres cubes heure par mètre carré. Donc là c'est parfait. D'accord. Donc là c'est tout bon. C'est ça. Là, donc, ton système, il est parfait, il respire, s'il est bien nettoyé à chaque fois que tu coupes. Oui, chaque fois qu'il s'éteint, en fait, automatiquement, il se vide. Là, tu as un taux de charge qui est parfait. Donc, il faut, au départ, on a le filtrage qui est calculé en fonction du débit de l'appareil et de la surface filtrante. Donc, diviser le débit, donc 5000 m3, par la surface filtrante. Donc, moi, ici, en l'occurrence, j'aurais été trop haut, puisque c'est 180 et tu conseilles 100, 100 à 120, c'est ça? Et ça, encore une fois, si tu fais beaucoup de poussière, beaucoup de fines poussières, fines particules, ben le fil se colmate beaucoup plus vite. C'est ça, donc il faut encore réduire plus. Taux de charge-là. Quand tu es dans les copeaux, quand tu fais beaucoup de copeaux, il n'y a pas de problème. C'est les grosses particules qui ne se collent pas vraiment au système filtrant. C'est ça. Qui tombent directement dans le et ça, est-ce que c'est mis dans les références de l'aspirateur, justement, c'est les mètres cubes heure et la surface filtrante aussi? Parce que ça, c'est un bon petit calcul à faire quand on vous propose une aspiration. On se dit, ok, attends. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'autant de mètres cubes et vous me proposez un filtre qui a autant de mètres carrés. Si je fais un peu le ratio des mais deux. Mais c'était ça, justement, le tout l'intérêt. Vous proposez un filtre peut-être un peu plus cher, mais avec un taux de charge qui est moins important. Et donc, le filtre va respirer plus. Il sera moins colmaté et il sera moins soumis à beaucoup de mètres cubes et donc moins. Oui, il va moins vite se mettre il va se colmater, enfin, il va se bourrer de poussière, en gros, et puis il est bouché, et donc à ce moment-là, la vitesse est réduite, et donc on n'a plus les 25 mètres secondes par seconde. Voilà, c'est ça. Donc on en appelait le nez. Là, exactement. Donc pour bien comprendre le système, de nouveau, donc, parce que ces filtres-là, c'est en fait au départ l'aspiration tout au bout. Donc l'idée, c'est pas de se dire tout ce qui sort de ce filtre là c'est pas bon pour ma santé, c'est dès le départ au niveau de la machine. Mais pour que justement le système d'aspiration fonctionne, il ne faut pas que vos chaussettes ou les filtres comme ceci soient trop remplis de poussière, et donc d'où l'intérêt de respecter ce fameux ratio entre 100 et 120 mètres cubes heure par mètre carré absorbé par les filtres. Donc le calcul, c'est combien de mètres cubes heure est-ce que j'ai besoin à aspirer avec mon système? Donc moi ici 2600, divisé par 30. À partir de là, vous avez une surface en mètres carrés. Non, vous avez un mètre cube, le taux de charge, donc le mètre cube. Et à partir de là, vous devez vérifier donc si votre surface filtrante et votre machine correspond donc à cette fameuse norme d'aspiration qui doit tourner donc entre 100 et 120, si j'ai bien compris, mètres cubes heure. Voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, il a bien expliqué. Donc si vous revenez un petit peu en arrière sur la vidéo ou que c'est très clair, en tout cas moi qui n'y connaissais rien et qui ne comprenais rien au truc, en moins de 20 minutes là je viens de comprendre beaucoup de choses pour mon calcul si je devais le refaire de base quoi. Alors encore une chose, donc moi ici j'ai fait une erreur qu'ils m'ont fait remarquer quand ils sont venus la dernière fois, c'est la fameuse dérivation qui est mise à l'envers, et il va expliquer pourquoi. Alors ceux qui s'y connaissent un petit peu l'ont peut-être directement capté, moi ça m'a pas tapé à l'esprit en fait. Ça c'est une histoire d'aérolique quoi, hein. Donc c'est vraiment quand on regarde l'air qui vient de la machine ici, donc les deux diamètres 120, ils arrivent dans le sens contraire au flux d'air en fait. Donc le flux, lui, l'air descend, hein, il est aspiré par le ventilateur qui est tout ici. Tout à fait.
En fait, il faudrait faire un demi-tour avec la dérivation pour que l'air monte et puis passe c'est directement ça. Donc, dans le moteur. Moi, je n'avais pas compris tout de suite. Donc, en gros, l'idée, l'air, il faut imaginer une flèche qui descend vers ici tout le long. Et moi, comme ma machine est plus basse, l'air monte, il est finalement aspiré quelque part vers le haut, il peut être poussé finalement dans le tube, puisque ça pousse ici. Donc là, vu que c'est si proche de la machine, à mon avis, moi, j'ai pas de problème. Mais si ça avait été le cas, par exemple, à la place de ma scie à format, là, j'aurais eu un souci. Et là, d'ailleurs, je l'ai mis dans le mauvais sens aussi, en fait, finalement. Là, il est dans le bon sens. Ah ben oui, puisque là, il monte. C'est ça, on est tout à fait d'accord. Donc ici, il aurait dû être dans l'autre sens pour suivre justement l'aspiration, le fluide, le flux d'air. En fait, ça va créer une turbulence. C'est ça. L'air qui descend, il va aller collier tout à fait. Pour la dérivation. Mais tu vois, comme moi, je l'avais fait pour la scie à format dans ce sens-là, je m'étais dit, c'est la même chose. Mais comme je suis au plus proche et que je suis juste à côté de la descente, je dois le mettre dans l'autre sens. Voilà, donc ça, c'est des détails, mais qui sont importants. Une question qui m'avait été posée aussi, tant que je vois le système, au niveau des trappes les trappes de fermeture, est-ce qu'il faut les mettre au plus proche de la machine ou est-ce qu'il faut, je vais dire, aller au plus proche de la tuyauterie principale? Il faut les mettre, comme on disait tout à l'heure, au plus proche de la machine. Et ça, on n'en tient pas compte. On ne tient pas compte de la partie du réseau qui est condamnée pour calculer la perte de charge. C'est avec la machine qui est la plus lointaine. Donc, de la partie... Bon, ici, c'est un mauvais exemple, parce que c'est de là à là. Mais en gros, je vais montrer un autre exemple. Donc, deux cas concrets, en fait, finalement, c'est la dégauchisseuse et ici, la scie à ruban plus la trappe d'aspiration, en fait, de balayage. Donc, la zone qui n'est pas prise en compte, je vous montrerai les images, c'est vraiment, finalement, de la trappe jusqu'au coude qui va rechercher, c'est ça, donc la tuyauterie principale. Et ici, donc, c'est vraiment de la trappe. Toute cette partie-là donc, n'est pas prise en compte dans le calcul de charge. Donc, c'est vraiment une question de facilité ou de où mettre le clapet. On aurait pu mettre un clapet vraiment ici. Donc il m'aurait fallu une échelle pour... Oui, voilà. Donc les petites trappes, on les met vraiment au plus proche des machines. Et quand, ça dépend. Et quand on met des clapets pneumatiques qui se ferment automatiquement d'accord. quand on met la machine, là, on va les mettre généralement en hauteur. Et ce genre de système, justement, que tu dis, clapet pneumatique, etc., qui fonctionne avec les machines, est-ce que c'est des choses qui peuvent être adaptées à ma situation, c'est-à-dire un si petit atelier avec des petites machines, ou est-ce que c'est vraiment des modules qui sont vraiment conçus, justement, avec un système d'aspiration bien particulier? Sur certains systèmes d'aspiration, tu as la possibilité de venir te brancher avec un câble, avec un contact sec. D'accord. Qui, lui, le contact sec, en fait, il est raccordé aux différentes machines. Ok. Donc, tu as un clapet pneumatique au niveau de la tuyauterie de la machine. Ok. Tu branches le clapet pneumatique à la machine. Dès que tu allumes la machine, le clapet s'ouvre. Ok. Et en même temps, tu as un contact sec de la machine qui va envoyer un signal à l'aspiration. Qui démarre. Qui va faire démarrer l'aspiration. Ok. Et couper, évidemment. Quand tu et ça, c'est adaptable sur toutes les machines ou Sur les machines à bois, oui. Ou alors, il faut travail plutôt d'électricien. Oui, tout à fait. Il faut vraiment aller chercher dans la machine le point. Mais c'est parce que moi, personnellement, si je dois faire entretenir mes machines, je fais faire appel aux techniciens parce que je considère que ce n'est pas mon métier. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont plutôt amateurs et qui ont tendance à essayer de faire les choses eux-mêmes. Et c'est très bien. Donc voilà pourquoi je pose la question. Moi, personnellement, si je devais le faire, je sais que je ferais appel de nouveau à un électricien parce que ce n'est pas du tout mon domaine et je ne voudrais pas faire de bêtises. D'ailleurs, je devrais pouvoir programmer mon système pour qu'il s'autofiltre même plusieurs fois la journée si je le veux. Je ne sais même pas le faire. Donc, mais c'est faisable, mais disons que c'est plutôt un travail d'électricien. Donc c'est les contacteurs secs, c'est ça que tu dis ? C'est un contact sec, donc ça c'est vraiment un contact où tu envoies un signal. Ah oui, c'est un nom, quoi. C'est pas, c'est le nom du module ou autre. Non, c'est le nom technique du. Ok. Mais c'est parce que je n'y connais rien non plus dans tout ce truc-là. Il faut voir le système d'aspiration, voir si. Si on sait le mettre dedans, quoi. Ok. Donc voilà, si vous aviez cette envie d'automatiser finalement votre installation, c'est faisable. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc moi, j'allume à chaque fois l'aspirateur manuellement et puis je vais aux machines. Je sais que ça existe. Est-ce que je sais le faire sur mes machines et mon système d'aspiration? J'imagine que oui, mais ça ne m'a jamais dérangé de faire 5 mètres pour aller allumer mon aspirateur. Ce qu'on met, on met des télécommandes même.
C'est ça. Tu vois, voilà. Donc, de commander une machine, voilà. C'est ça. Et donc, ça, c'est des systèmes qui se vendent. Est-ce que vous vendez ce genre de système ou pas du tout? Sur nos systèmes d'aspiration, oui, mais sur ceux-là, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ça, faut regarder éventuellement, se renseigner. Je demanderai éventuellement à ton papa. Parce que, enfin, moi, je dis, ça ne m'a jamais dérangé d'aller allumer mon aspirateur. Mais c'est vrai que. C'est un truc qu'on va faire et qu'on a trouvé. Tu nous en as parlé la dernière fois. C'est un système comme sur les aspirateurs Festool, oui. qui t'envoie un signal d'alerte quand on ne respecte plus les 25 mètres secondes. Ça, on l'a trouvé. Ah, d'accord. Donc voilà, ça fera peut-être l'objet de. Ok. Donc en fait, quand ils étaient venus la première fois, moi j'ai posé plein de questions. Vous me connaissez quand même, je suis très bavard. Et hors caméra, on a parlé de beaucoup de choses. Et en fait, ils ont trouvé, si j'ai bien compris, un petit module qui permettra justement de savoir si votre installation. Respecte bien les 25 mètres secondes. Et donc, si le 25 mètres secondes, le débit n'était pas respecté, il y aurait une petite alerte au niveau de l'aspiration, comme c'est le cas sur les aspirateurs Festool. Donc, le modèle M, il y a un système qui bip à partir du moment où vous n'êtes plus aux 25 mètres secondes. Et là, ça vous dit tout simplement que la norme M, donc c'est la norme médium en termes de, voilà, hein, de classe de filtration, n'est plus respectée. Et donc, soit c'est parce que le tuyau est bouché, soit on utilise trop de machines en même temps dans notre cas, ou soit le filtre est colmaté ou trop colmaté et donc vous ne savez plus respecter ces fameux 25 mètres secondes. Ou il y a encore un autre petit truc, soit tu disais qu'il y a trop de machines ouvertes ou il n'y a pas assez de machines ouvertes. D'accord, pourquoi? Parce que, un exemple, quand ton ventilateur, imagine qu'il aspire quand tout est fermé. Oui. Il ne donne pas de puissance. Il n'y a pas d'air qui passe par le ventilateur. Donc donc il faut ouvrir une trappe. Il faut ouvrir la trappe et il faut générer. Bon, ici, il n'y a pas trop de problème parce que ton réseau est petit. Hein. Mais oui. Dans certaines sociétés où il y a beaucoup de tuyauterie, il faut réouvrir alors des réseaux. Il faut ouvrir des trappes pour te permettre d'avoir la vitesse de la tuyauterie. Okay. Donc, lui, le ventilateur, il va pomper à diamètre 80. Mais. Il ne va pas avoir assez d'air, et tous les autres trappes sont fermés, il ne va pas avoir assez d'air pour pouvoir avoir de la vitesse et donc du débit. Ok. C'est intéressant parce que le fait d'avoir justement ce petit module éventuellement, ça va permettre de tester en fait au départ, dire même si voilà, c'est pas suffisant, il faudrait que j'ouvre par exemple le clapet de la toupie en même temps que la scie à format parce que c'est pas suffisant. Et donc pour avoir tes 25 mètres par seconde, c'est donc ça. Ta vitesse et donc oui parce que ça malheureusement même si les calculs sont faits au départ etc, on ne sait pas le voir parce que peut-être un coude, peut-être je ne sais quelle raison. Et puis tu travailles différemment par rapport à il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Ok, nickel. Alors, dernier point qu'on va aborder, parce que je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour. Si vous aviez de toute façon des questions, n'hésitez pas. Ils m'ont donné beaucoup, beaucoup d'informations. Dernier point, c'est qu'il existe des systèmes d'aspiration qui fonctionnent en dépression et en pression. Et alors, j'ai posé la question de savoir si c'était intéressant de mettre un cyclone sur ce système-là. Non, pas vraiment, non. Ton système est suffisant pour pouvoir récupérer toutes les matières, les fines poussières, les copeaux et de tout stocker dans les 3 sacs que tu as là-dessus. C'est ça. Et donc le système de cyclone en général sur ce type d'aspiration, finalement, ça n'a pas d'intérêt. C'était vraiment plutôt dans le temps. C'est un autre système. En fait, les cyclones, on va plutôt les utiliser sur les aspirateurs pour les machines électroportatives, etc. pour en fait réduire la quantité de poussière que l'on va avoir dans le sac. C'est un peu ça le principe du cyclone. Mais les cyclones d'aspiration, c'est en fait finalement un tout autre système qu'on ne va pas aborder ici parce que déjà c'est adapté à des plus grosses industries et à notre niveau, un ensacheur, comme tu l'expliquais tout à l'heure, est largement suffisant pour les petites structures et quand bien même une structure comme la mienne. Moi j'ai 3 sacs parce que je fais beaucoup de copeaux, mais finalement si j'avais eu un seul ensacheur à un sac, ça aurait pu être suffisant si le moteur était adapté tout simplement. C'est une question de moteur. Ça, ce que tu dis est pas mal, c'est que une question qu'on pose souvent, c'est vous faites combien de copeaux? C'est ça. Quoi votre volume de copeaux? Ah ben je fais. Imagine que tu me dises que tu fais une benne de 30 mètres cubes de copeaux. Ben, je vais te dire. C'est trop tu petit. Tu vas passer ton temps à. C'est ça. Sac, ça va aller. Donc, ça c'est une question aussi qui est intéressante. C'est tout à fait. Qu'est-ce que vous faites en termes de copeaux? Ouais. Beaucoup, pas beaucoup, de la fine, de la. Ouais, du MDF, voilà, ou si on fait ce genre de choses. Et là, ça va adapter de nouveau le fameux mètre cube filtrant, etc., en fonction des copeaux. Moi, ça, je rebondis sur ce qu'il dit en termes de sachets. C'est une bêtise, mais on parlait justement du système Schuco, etc., où j'ai longtemps hésité finalement avec celui-ci.
Moi, j'avais vraiment besoin de 3 sacs dans le sens où déjà comme ça, pour les personnes qui sont venues suivre la formation du rucher, ils vous le diront, moi, les sacs, on les a vidés quasiment tous les jours. Et pourtant, c'est des sacs de 200 ou 250 litres chacun. Voilà, donc j'aurais même eu une aspiration 5 sacs. Dans mon cas, ça n'aurait pas été du luxe. Ça aurait été très bien. Donc les personnes qui disent, ouais, moi, je vais quand même m'acheter un aspirateur, un sac, et que vous avez une raboteuse, sincèrement, quand vous faites un petit projet ou autre, votre sac, il est rempli toutes les heures, en fait, et vous êtes caisse pour le sortir. Donc dès le départ, moi, je pense qu'on peut franchement partir sur 2 sacs à partir du moment où on a une dégauchisseuse, une petite toupie ou bien une combinée 6 toupies. 2 sacs, pour moi, c'est vraiment le minimum. Et je vous dis ça en connaissance de cause puisque je l'ai vécu. Mais là, on s'écarte un petit peu. Donc, on va revenir sur les fameux systèmes pression-dépression. Ouais. Quelle est la différence, les avantages et les inconvénients? Surtout déjà expliquer c'est quoi, parce que moi, je ne le savais pas. Donc, j'imagine que les gens non plus. Mais ici, concrètement, dans ton cas, en fait, le moteur, il est situé entre les filtres et la tuyauterie. Donc, l'air sale qui vient de la tuyauterie, forcément. L'air sale va passer par le moteur et donc par la turbine. Le ventilateur, c'est le ça. Le ventilateur est en dessous. Okay. Et donc, le ventilateur, lui, il va être en air sale. Ok. Hein, parce que vu que l'air sale passe dedans. Et donc, là, il est en pression. On va pousser la matière et donc l'air dans les filtres. C'est ça. Donc, la poussière descend, rentre en contact directement avec l'hélice et propulsée dans les sacs. Donc, ça veut dire que c'est en pression. En pression. On pousse dans le filtre. Okay. On pousse dans les filtres. Quand on travaille en dépression, on met le moteur derrière les filtres. Donc, le moteur va aspirer à travers les filtres la tuyauterie et donc les machines. Okay. L'avantage de ça, c'est que le moteur, il ne souffre pas. Donc là, dans ce cas-là, le moteur serait derrière les filtres et aspirerait. Il aspire à travers les filtres dans la tuyauterie. Ok, c'est bon, je vais vérifier si ça tournait. Non, ah si ouais. Ça tournait, ça m'est déjà arrivé ça aussi. Donc l'avantage de ça, c'est que le moteur, il souffre beaucoup moins, économie d'énergie, pas de casse, okay. Pas de problème de... Il y a moins de casse. Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, en fait, étant donné que le moteur est derrière, la poussière ne passe pas dedans. Donc, par exemple, tout à l'heure, on rabotait un nœud, on entend clac-clac. Là, dans ce cas-là, il y a peut-être un risque d'abîmer une hélice ou autre, voire même d'abîmer de la casser, si, voire en fonction. Même que la particule que tu aspires s'échauffe dans le fait de parcourir la tuyauterie. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe dans un sac plein de copeaux, ouais. Plein de poussière. Donc, tout là, à fait. De nouveau, d'incendie, etc. Par rapport. Tandis que l'hélice sur l'arrière n'est jamais en contact, finalement, ni avec la poussière, ni avec les vis éventuellement qui pourraient être absorbées, etc. Et tu me disais aussi que ça pouvait réduire fatalement la consommation d'énergie, étant donné que, justement, le fait qu'il ne soit pas chargé par la poussière éventuellement. Il va moins souffrir, il va être moins mis à contribution pour faire. Parce que, est-ce qu'il existe, justement, ce type de système? On va dire pour 1 sac ou 2 sacs, puisque moi, celui que j'avais avant, c'était un petit ventilateur en dessous, genre turbine, ouais. Dans un seul sac. Ici, de nouveau, si je comprends bien, je suis en pression. Mais est-ce qu'il existe ce type de système petit, puisque quand on parle d'industrie, vous vendez quand même des trucs beaucoup plus gros. Est-ce que ça existe aussi pour ce type de système en dépression? Je ne sais pas. À mon avis, oui, mais je ne peux pas te le garantir. Tu n'en es pas certain. Parce que on ne vend pas ce genre de système. Mais vous, le système Schuko que moi j'avais vu, donc ça c'est en pression ou en dépression? On est en dépression. C'est en dépression, donc ça se vend. Oui, clairement. Mais pas en sacheur. Moi ce que je veux dire c'est plutôt un petit système. Petit système, là c'est, en effet c'est un en sacheur, mais moi le système que j'avais vu chez vous, ça reste un petit système, c'est sur roulette en plus si je me souviens bien, donc c'était déplaçable, je me souviens très bien parce que j'ai longtemps hésité. Pourquoi? Parce que je ne savais pas au départ si j'allais le laisser là ou si j'allais le mettre dehors de l'aspiration. Et pour être tout à fait honnête, tu m'avais déjà parlé de dépression de l'atelier que je ne comprenais pas. Et donc j'ai tellement hésité, je me dis ouais, je ne suis pas sûr, la dépression, vraiment je ne comprenais pas. Et comme quoi je suis un laborieux, comme dirait mon camarade Jean-Philippe, il faut qu'on m'explique les choses, tu vois, vraiment, comme tu viens de le faire, avec le fait extérieur qu'on aspire l'air total de l'atelier, et donc on met l'atelier en dépression, qu'il faut absolument renvoyer l'air extérieur. Donc ça, je n'avais pas capté. Et donc ça existe bien, ces systèmes en dépression. Et moi, en apprenant ce genre de choses, je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais pu finalement prendre un système en dépression. Alors, moi, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je le disais, si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'aurais juste une question à te poser, justement.
Vu que tu as fait le calcul, la dernière fois quand tu étais venu, tu avais fait le relevé un petit peu des machines. On vient de le refaire ensemble pour que moi je comprenne comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai fait des erreurs sur mon installation, puisque moi je vous ai commandé les tuyaux il y a des années d'ici, mais finalement je l'ai calculé moi-même. Est-ce que tu vois des erreurs ou est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu améliorer ou faire différemment? Parce que moi ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser aussi les personnes qui nous regardent. Donc vas-y, donc tu me disais, donc première chose qu'on aurait pu changer, donc, dis-moi. Ici, on se rappelle, on a un diamètre 80 ici, il y a un diamètre 120 en dessous. C'est ça. Et en fait, à 80 et à 120, ça donne un diamètre 150. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais mis la dérivation qu'on voit là au-dessus, je l'aurais mise verticalement, au plus près de la machine, pour respecter les deux diamètres, et donc les mètres cubes heure total. Et pour venir rechercher la bouche de balayage ici, ben, j'aurais mis une petite dérivation en diamètre 100, juste avant pour rechercher la bouche de balayage. C'est ça, donc pour permettre en fait directement d'être en 150 en sortie du clapet. Quoi. Voilà, en 150, donc le clapet en 150, la dérivation, et puis le 80 et le 120. C'est ça, ok. Une autre chose aussi que qu'on fait généralement, c'est ici le tuyau flexible en 120. Généralement, moi je le continue en tuyau rigide galvanisé, un coude en 120, 90 degrés ou 90, ça dépend. Et puis après, on met un tuyau d'un mètre. D'accord. De nouveau, pour éviter le moins possible le tuyau flexible. C'est ça, ok. Donc là, ici, là, on est bon parce qu'on est en 150, ouais, c'est correct. C'est ça. Donc ici, toute la partie supérieure, on est en diamètre 150 qui correspond donc, on le rappelle, à la taille, donc les 80 plus 120 de la scie à format. Donc voilà, on a fait le tour de l'atelier. On arrive donc en fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment. Donc je te remercie déjà pour m'avoir recalculer entre guillemets mon installation, j'ai compris un petit peu les petites erreurs que j'ai pu faire, etc. Je le répète encore une fois, si vous avez des questions concernant le système ou autre, n'hésitez pas, je devrais avoir pas mal de réponses. Et puis je reviendrai donc avec ce fameux petit tableur là qui est vraiment très très intéressant, et eux reviendront avec le petit boîtier qui permettrait justement de vérifier si votre installation fonctionne à ces fameux 25 mètres secondes. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Si vous avez des questions, c'est n'hésitez pas à Benoît ou même nous directement. C'est ça. Tout à fait. Donc, de toute façon, je remettrai leur site internet, donc ducomat.be. Comme il le dit, si vous avez des questions, j'imagine que l'adresse mail est sur le site internet. Vraiment très réactif. Comme je le dis, moi, c'est là-bas que j'avais acheté tous mes tuyauteries. C'est aussi pour ça que je me suis permis de les recontacter pour voir s'ils étaient intéressés, éventuellement d'expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, c'est très sympa d'avoir donné autant d'informations. Et moi, d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!